Attendez, que je prends le cours. Alors, bonjour. Bonjour, j'espère qu'il y a des étudiants déjà présents. Il y a peut-être un nombre très réduit de personnes pour le moment. Alors, la dernière fois, ce qu'on a fait, c'est la statistique descriptive. J'ai commencé le cours déjà la semaine dernière et on a expliqué comment former un tableau pour ceux qui étaient présents, bien entendu. Alors, on va donc aller vers la partie. On a déjà fait comment former un tableau. On va partir vers le chapitre qui plutôt explique comment établir un schéma. Alors ça, c'était le sommaire. La dernière fois, je l'ai déjà donné, qui était formé par trois parties. Et chaque partie contient au moins deux chapitres. Et je répète comme quoi le chapitre sur les séries chronologiques n'est pas pris en considération cette année-là. C'est-à-dire, voilà, les séries chronologiques ici, ce chapitre-là ne sera pas fait cette année-là. Il sera donc négligé. Alors, on continue. Ça, c'est déjà fait, comment présenter un tableau. On a vu qu'il y avait au moins quatre types de tableaux. Tableau à une variable discrète, le tableau à variable continue, donc là, c'est discret, tableau d'une variable discrète x. Ici, le tableau d'une variable continue. Là, c'est le tableau d'une variable continue. Regardez, on a des intervalles de classe. Ça, c'est déjà expliqué la semaine dernière. Je continue toujours. Alors, pour quand la variable est continue, j'avais dit comme quoi on pouvait avoir soit des intervalles de classe égaux. C'est le cas ici. Vous voyez, on a la même amplitude. Je l'ai déjà expliqué la semaine dernière. Soit encore, on a des intervalles de classe inégales. Variable est continue. Regardez, x est continue. On a des intervalles de classe à chaque fois, mais on n'a pas la même amplitude. Vous voyez? Ensuite, là, c'est un tableau à double entrée parce qu'on a deux variables, la variable x et la variable y. Tout ça, je l'ai déjà expliqué. Je suis juste en train de le reprendre. Vous voyez, c'est un tableau à double entrée parce qu'il y a une entrée par x, il y a une entrée par y. On a deux variables. Et j'avais dit comme quoi on aura rarement l'occasion de travailler sur ce genre de tableau. Donc il faut juste savoir que ça existe, ce genre de tableau. Mais on n'aura pas l'occasion de travailler avec des exercices ou bien le jour de l'examen avec ce genre de tableau. Alors, la notion de fréquence, je l'ai expliqué. Il y a la fréquence absolue et la fréquence relative. Et j'avais même donné un tableau de travail. Voilà, ici par exemple. Alors, je reviens en arrière. Voilà, dans ce tableau-là, voilà la fréquence absolue où vous cherchez la fréquence absolue cumulée croissante, regardez la flèche vers le haut, ou bien la fréquence cumulée décroissante, c'est la flèche vers le bas. La même chose pour la fréquence relative. Vous voyez, ici la fréquence était absolue, on la note FA, fréquence absolue. Là, c'est la fréquence relative. Et là encore, elle peut être cumulée, on peut la cumuler d'une manière croissante ou bien d'une manière décroissante. Quand la flèche est vers le bas, on dit qu'elle est décroissante. Tout ça, on l'a expliqué la semaine dernière, je répète. Alors normalement, dans ce genre de tableau, on vous donne juste cette première colonne et celle-là. Les deux premières colonnes, c'est à vous de faire les calculs nécessaires pour compléter tout le tableau. Et j'ai expliqué comment chercher à compléter ces colonnes qui sont là. La fréquence relative, on la calcule. Comment?
J'ai donné une définition la dernière fois. On divise chaque Ni par le total, ici. 20 divisé par le total qui doit être là. Attends, cela s'est cumulé, pardon, là, ici. 20 qui divise par le total qui est là. C'est un total de combien? Je ne sais pas, je ne vois pas bien. Ça doit être 100 ou 300. Donc, vous divisez 20 par 200 peut-être par le total qui est là. La même chose, ça vous donne 0,10. Ça vous donne 0,10. C'est la fréquence relative. 30 divisé par ce total qui est là, 200. Ça vous donne 0,15. Et vous faites le même travail. 60 qui divise ce total. Ça vous donne combien? 0,30. Ça, c'est ce qu'on appelle la fréquence relative. Donc, on doit la calculer. Et le cumul, vous cumulez. Vous fixez cette première valeur, 0,10, et vous ajoutez 0,10 plus 0,15. On ajoute à chaque fois le nombre suivant. 0,10 plus 0,15, ça vous donne 0,25. 0,25 plus ce chiffre qui est là. 0,30, ça vous donne 0,55. Et vous continuez, vous ajoutez encore la valeur suivante, ça vous donne le chiffre qui est en face. Bien, tout ça, nous l'avons déjà expliqué la semaine dernière. Je continue, s'il vous plaît. On a terminé, je pense. Le complément d'information, c'est juste pour vous expliquer davantage. C'est tout. Alors, on a terminé, je pense, ce chapitre et on va pouvoir aller vers le chapitre sur comment former un tableau statistique. D'ailleurs, voilà le chapitre 2, présentation graphique, c'est-à-dire comment tracer un graphe. Comment tracer un graphe. Alors, quand la variable est discrète, le x est discrète, on a deux graphiques possibles. Donc, le diagramme en battant et le diagramme cumulatif. S'il vous plaît, si vous avez des questions à poser, vous pouvez le faire. Je peux vous écrivez votre message, je peux le lire et je peux vous répondre. Je peux vous expliquer, il suffit d'écrire votre message. Alors, je reviens vers le cours. Comment maintenant tracer un graphique? Vous avez un tableau statistique avec des chiffres et à chaque fois, le jour de l'examen, on vous dit tracer un graphique. Des fois, on ne vous précise pas quel type de graphique. On vous dit juste tracer le graphique. Alors, vous, qu'est-ce que vous allez faire? Il faut vérifier la nature de la variable. Est-ce qu'elle est discrète ou bien est-ce qu'elle est continue? D'ailleurs, j'ai noté ici, caractère, ça veut dire la variable x. Là, elle est discrète. Et les discrets, ça veut dire j'ai deux schémas possibles. Soit un diagramme en battant, soit un diagramme cumulatif. Deux possibilités. J'ai le choix. Deuxièmement, quand la variable elle est continue, ça veut dire x, elle varie dans un intervalle de classe. J'ai trois possibilités. Soit je peux tracer un histogramme, soit je peux tracer un polygone des fréquences, soit je peux faire un diagramme. Ce qu'on appelle cumulatif ici, ou bien ce qu'on appelle courbe des fréquences cumulées. Je peux tracer la courbe des fréquences cumulées. Et enfin, il y a ce qu'on appelle les graphiques spécifiques. Pourquoi on les appelle graphiques spécifiques, ou bien on les appelle aussi par graphiques spéciaux. Ça veut dire, ce sont des graphiques qu'on a rarement l'occasion de les rencontrer et de les tracer. Ils sont un peu spéciaux. C'est pourquoi on dit qu'ils sont spécifiques. Alors nous, on va voir un peu tout ceci durant ce chapitre-là. Comment tracer un graphique? C'est ce qu'on va voir. Voilà. Alors ici, on commence par la variable discrète. Regardez ce tableau, cet exemple que vous avez là. La variable x, effectivement, elle est discrète. Regardez. On dit discrète parce qu'elle prend des valeurs absolues, soit une valeur, la valeur 1, soit 2, soit 3, donc une seule valeur. Quand la variable x prend une seule valeur, on dit que la variable est discrète. Une seule valeur. OK, voilà notre exemple. Et on nous dit tracer un diagramme en battant. Donc là, caractère discret, diagramme en battant, c'est-à-dire un schéma en battant. Pourquoi on l'a appelé en battant? Regardez le schéma que vous avez devant vous. Il se présente sous forme de bâton. On a cinq bâtons. 1, 2, 3, 4, 5. On a cinq bâtons.
Mais comment on l'a tracé? Et bien voilà, tout simplement. Alors, pour tracer généralement un graphique, on a besoin de deux axes. Voilà l'axe des x. Je trace un axe, un premier axe. Voilà l'axe des x. Il y a l'axe des y. Le voici, deuxième axe. Alors, une fois que j'ai fait ces deux axes, je dois porter les valeurs. Je dois porter les valeurs. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, tout simplement, les valeurs de x qui sont là, on a 1, 2, 3, 4, 5. Je les porte, ces valeurs, sur l'axe des x. Vous voyez? Je les porte sur l'axe des x. Voilà, 1, 2, 3, 4 et 5. Très bien. Les valeurs de NE. Donc, soit je prends les valeurs de NE, l'effectif, soit je prends les valeurs de la fréquence que j'ai calculée NE sur grand N. La fréquence, je la calcule en divisant chaque NE par grand N. 31 divisé par le total qui est là. Ça vous donne 0,38. Bien, moi, je travaille uniquement par les NE, c'est plus simple. Je prends les valeurs qui sont là. 31, 29, 11, et je les place sur l'axe des Y. Les voici. La valeur 3 qui est là, la voici. La valeur 6, la voici. La valeur 11, la voici. Toutes les valeurs de NI, je les prends et je les classe et je les mets sur cet axe qui est là. Une fois que j'ai porté toutes les valeurs de X et de Y, je peux maintenant tracer mon diagramme en battant. Alors, comment? Pour chaque XI, on a un NI. Voilà le premier battant. Pour 1, c'est 31. Ben, pour la valeur 1, ici, regardez la valeur 1, je monte par un battant, je trace ce battant jusqu'à une hauteur de 31. Vous voyez le premier battant, comment je l'ai tracé? Je passe au deuxième battant. Pour la valeur x égale 2, je monte jusqu'à la hauteur de ici de 29. Pour 2, je trace le deuxième bâton, je le trace jusqu'à une hauteur de 29. Et je continue de la même manière. Pour la valeur 3, j'ai une hauteur de 11. Voilà la valeur 3. Je trace mon bâton, je le trace, je le trace, je le trace jusqu'à la valeur 11. Et je fais le même travail pour le reste. Alors, en principe, il suffit que je compte le nombre de XI. J'ai 1, deuxième valeur, 3, 4, 5. Donc, je dois avoir 5 bâtons. Les voici. Donc, on a ici ce qu'on appelle un diagramme en bâtons. Alors, chaque fois que la variable est discrète, c'est-à-dire X prend des valeurs absolues, ici, une seule valeur, on peut tracer ce qu'on appelle un diagramme en bâtons. Très bien. Quand la variable x est discrète, vous avez aussi la possibilité de tracer un autre type de schéma. Le voici. Alors ici, on appelle ça le diagramme cumulatif. Quand la variable est discrète, c'est le cas ici. Regardez cet exemple. X discrète prend des valeurs absolues, 1, 2, 3, 5, etc. Donc, je peux tracer ce qu'on appelle le diagramme cumulatif. Mais avant de tracer le diagramme cumulatif, vous êtes obligé d'abord de former quelques colonnes de calcul. Les voici les colonnes de calcul. Alors, généralement, on vous donne la première colonne, celle-là, et on vous donne la deuxième colonne, celle-là. On a deux colonnes. Vous voyez? Alors, je dois former la fréquence. C'est à moi de faire les calculs. C'est la fréquence relative. Et je dois ajouter aussi par les calculs cette colonne qui s'appelle fréquence cumulée. Alors, comment? Alors, la fréquence, c'est la fréquence relative. J'ai déjà donné la définition. On divise chaque NI par le total qui est là, le total de cette colonne. C'est-à-dire, je divise 47. Par le total, il suffit de compter ici les valeurs qui sont là, vous les ajoutez, ça vous donne un total là. Ça peut être 200 ou 300, je ne sais pas. Vous divisez 47 par le total de cette colonne, ça vous donne 0,15. Vous divisez 63 par le total de cette colonne, ça vous donne 0,20. Et vous continuez.
le même travail. Bien. Une fois que vous avez formé cette colonne, que vous l'avez remplissée par les calculs, il faut aller vers la colonne suivante. Là, ce sont les fréquences cumulées. C'est-à-dire, je vais me servir de cette colonne de fréquences, mais je dois cumuler. Cumuler, ça veut dire ajouter. Ajouter. Alors, comment? Alors, je mets d'abord ici, je n'ai rien ajouté avant. Je n'ai aucune valeur avant 0,15. Je mets 0 parce que je n'ai aucune valeur avant. Et j'ajoute 0 plus 0,15. Ça me donne 0,15. Je répète, je prends le 0 qui est là. J'ajoute le 0,15. Ça me donne 0,15. 0,15 plus 0,20. Ça me donne 0,35. J'ajoute à chaque fois une valeur suivante. 0,15 plus la valeur qui est là. Ça me donne 0,82. 0,82 plus la valeur qui est là. La valeur suivante, 0,12, je pense. Ça vous donne ceci, etc. Et vous ajoutez à chaque fois. Finalement, pour tracer mon diagramme cumulatif, je n'ai besoin que de deux choses. Les valeurs de x qui seront portées sur l'axe des x et de cette dernière colonne de ces valeurs qui seront placées sur l'axe des y. D'ailleurs, j'ai simplifié ce tableau ici. J'ai besoin juste de la première colonne, celle-là. La voici, je l'ai reprise dans ce tableau simplifié. Et j'ai besoin de la dernière colonne que j'ai reprise ici dans cette ligne qui est là. Donc j'ai besoin uniquement de ces deux lignes pour tracer le schéma. D'accord? C'est ce que nous allons voir et c'est ce qu'on appelle le diagramme cumulatif. Donc on va le tracer, on va passer vers la page suivante pour tracer ce schéma-là. D'accord? En principe, il faut avoir ce tableau devant vos yeux pour pouvoir tracer comment se présente ce schéma-là. Voilà le schéma, il est là. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tracé toujours deux axes. Ils sont attachés normalement, ces deux axes. L'axe des x, j'ai repris les valeurs de x qui étaient sur le tableau. Les valeurs de x sont 1. Alors 1, 2, 3, 4 et 5. Ce sont les valeurs de x. Ici, les valeurs de la fréquence cumulée croissante, c'est-à-dire la dernière colonne du tableau. Les fréquences cumulées croissantes. Alors en principe, si vous regardez le tableau d'avant, on avait 0,15, 0,35, 0,82, 0,94. Et le 1, le maximum dans une fréquence, c'est la valeur 1. Le total, c'est 1. D'accord. On vous dit, si vous regardez le tableau que vous avez avant, on vous dit de 1. Alors, regardez, je reviens sur le tableau que j'avais avant. Regardez. En principe, il faut l'avoir devant vos yeux. Je reviens sur ce tableau. En raison de cette façon, de 1 jusqu'à 2, vous voyez, de 1 jusqu'à la valeur 2, j'ai la valeur 0,15. J'ai de 1 jusqu'à 2. Si x varie entre 1 et 2, on a y, ou encore la fréquence cumulée, il est de 0,15. Je pars vers le tableau. Voilà. De 1 jusqu'à 2, regardez, de 1 jusqu'à 2, j'ai tracé un segment avec une hauteur de 0,15. Parce que la fréquence cumulée, elle est de 0,15. De 1 jusqu'à 2, regardez, j'ai tracé un premier segment de hauteur 0,15. Mais je ne dois pas dépasser 1 jusqu'à 2. Regardez le petit segment. Il varie entre 1 et 2. Alors, toujours pour ces segments, ils sont ouverts à gauche. Vous voyez un petit segment ici, ouvert à gauche et fermé à droite. Ou fermé, c'est comme dans les mathématiques. C'est un segment fermé ici. Toujours ouvert à gauche, fermé à droite. Sauf le dernier. On va aller vers le dernier plus tard. Le deuxième segment, de 2 à 3, j'ai une fréquence cumulée de 0,35. Donc 0,35, c'est là. 0,35, c'est là. Donc je trace un segment entre 2 et 3 avec une hauteur de 0,35. Voilà mon segment. Avec, il doit être
ouvert à gauche, fermé à droite. OK? C'est très important d'être présent dans les premières séances, s'il vous plaît. On traite la base de la statistique. Si vous ratez ces séances-là, vous ratez la statistique à la fin à la fin du semestre, s'il vous plaît. Il faut que vous restiez présent, il faut que vous soyez présent durant toutes les séances. C'est très important. La statistique, c'est une matière technique et qui nécessite la présence. Alors, si vous voulez vraiment réussir votre matière, si vous voulez valider cette matière, il faut être présent dans le cours. Je vous conseille d'être présent et durant tout le semestre, si vous ne voulez pas rater la matière statistique. Je reviens vers le cours. Je continue mon schéma. De 3 à 4, la fréquence cumulée, elle est de combien? 0,82. 0,82. Donc, j'ai la hauteur de 0,82 et ça varie entre 3 et 4. Voilà le segment que j'ai tracé par rapport à 0, fréquence cumulée de 0,82. Toujours mon segment ouvert à gauche, fermé à droite. La même chose, la même chose. Alors, le dernier segment, il est toujours, quelles que soient les données de l'exercice, ouvert à gauche et non fermé. Ça veut dire que c'est jusqu'à l'infini. Ça reste jusqu'à l'infini. Parce que si vous regardez votre tableau statistique, je reviens sur le tableau. Regarde. Je reviens sur le tableau. Ce tableau, on vous dit 5 et plus, c'est-à-dire jusqu'à l'infini. Lorsque x varie de 5 et plus, c'est-à-dire 5 jusqu'à l'infini. Alors graphiquement, voilà comment ça se présente. 5 et plus, c'est-à-dire jusqu'à l'infini, je ne ferme pas. Ici, je ne ferme pas le segment, ça reste ouvert. 5 et plus, ça veut dire jusqu'à l'infini. Donc le segment ne sera pas ouvert ici. Voilà. Alors tous ces schémas, ça s'appelle le diagramme cumulatif. Je récapitule. Quand la variable est discrète, le x est une variable discrète, on a deux schémas possibles. Soit ce qu'on appelle, soit le schéma de diagramme en battant, qu'on a vu tout à l'heure, le voici. J'avance. Voilà le diagramme. Quand la variable est discrète et x prend des valeurs absolues, on a soit la possibilité de tracer ce diagramme en battant qui est là, soit le diagramme cumulatif qu'on vient de voir. Voilà le diagramme cumulatif. Deux schémas possibles. Parce que le jour de l'examen, des fois, on vous dit tracez le schéma. On vous donne juste un tableau statistique et on vous dit tracez le schéma. Alors, si x est discrète, vous pouvez tracer donc soit le diagramme en battant, soit ce diagramme cumulatif. Très bien. Donc, on a terminé avec la variable discrète. Maintenant, on passe vers lorsque le caractère est une variable continue. Quand la variable est continue, on va voir qu'on a la possibilité de tracer trois types de schémas. OK? Maintenant, on a la variable continue. Alors, le premier type de schéma possible, c'est l'histogramme. C'est ce qu'on appelle un histogramme. Dans l'histogramme, ici, on a deux cas. On va traiter le cas O. Alors d'abord, s'il vous plaît, caractère continu, ça veut dire que le X, il varie sur des intervalles de classe. On va voir des tableaux avec des intervalles de classe. Je vais vous donner des exemples tout de suite. Alors, premier schéma possible, l'histogramme. Dans l'histogramme, on a deux cas. Soit les classes, c'est-à-dire les intervalles de classe de X sont d'amplitude égale, soit, deuxième cas, d'amplitude inégale. Il y a deux cas. On commence par ce premier cas. On va prendre un exemple. Alors, regardez l'exemple que nous avons ici. Je répète, s'il vous plaît, si vous avez des questions à poser, vous pouvez le faire. Il suffit de m'envoyer un message et je vous répondrai oralement à votre question. Si vous ne comprenez pas quelque chose, si je vais vite, si vous voulez quoi que ce soit, n'hésitez pas à me poser des questions. Écrivez votre message, je peux le lire et répondre oralement. Je reviens sur le cours. La variable ici est continue. Regardez, x. La variable x, le caractère x est continu. On a des intervalles de classe. Regardez.
c'est-à-dire x varie entre 10 et 15, x varie entre 15 et 20, x varie entre 20 et 25. On a donc une variable qui est continue. Alors maintenant, je dois vérifier si on a la même amplitude. Regardez. Ici, de 10 à 15, on a une amplitude de combien? Amplitude, c'est la différence entre les deux valeurs. 15 moins 10, c'est une amplitude de 5. 20 moins 15, c'est une amplitude de 5. Oui ou non? On a toujours la même amplitude. De 25 moins 20, c'est une amplitude de 5. Vous faites la différence entre les deux valeurs. On a toujours une amplitude de 5. On a donc, dans ce cas, la même amplitude. Vous vérifiez sur chaque intervalle de classe. Regardez ici. 30, 35, amplitude de 5. 35 jusqu'à 40, c'est une différence ou bien une amplitude de 5. Donc, sur toutes les valeurs qui sont là, de x, on a la même amplitude. OK? On dit qu'on a des intervalles de classe qui sont égales. Des intervalles de classe égales. Donc, lorsqu'on a la même amplitude, on n'a pas de problème. On peut aller directement tracer ce schéma qui est là. Ce schéma qui est devant vos yeux, ça s'appelle histogramme. Vous voyez, il est sous forme de rectangle. Cet histogramme, il est sous forme de rectangle. On a la même amplitude ici, on a vérifié. Et si c'est le cas, il n'y a pas de problème. On peut aller directement tracer ce schéma qui est là. Alors, que doit-on faire? À chaque fois, on trace deux axes. Voilà le premier axe qui est là, avec une flèche. Vous pouvez ajouter la flèche. On porte les valeurs de x. Ça varie de 10 à 15. Alors, s'il vous plaît, dorénavant, on commencera toujours le cours à 8h30. N'oubliez pas, on commencera toujours la séance à 8h30. Comme c'est programmé sur votre emploi du temps que vous a donné la direction. On commence toujours la séance à 8h30. Alors, je reviens sur le cours. Comment tracer cet histogramme qui est là devant vous? Eh bien, j'ai dit tout simplement, je prends les valeurs de x qui sont 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Je les porte sur l'axe des x qui est là. Vous voyez toutes les valeurs, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, toutes les valeurs. Bien. Les valeurs ici de Ni, je les porte sur l'axe des Y. Quelles sont ces valeurs? J'ai 1, 2, 4, 6, 5 et 7. Je les porte sur cet axe qui est là. Toutes les valeurs. Voilà la valeur 1. Voilà 2. Je monte un peu plus haut. Voilà 4. 1, 4, je pensais là. Un peu plus haut, 5, 6, 7. Maximum, c'est 7. OK. Ces valeurs qui sont là, je les portais sur cet axe qui est là. Alors maintenant, je peux tracer mon histogramme qui est sous forme de rectangle. On me dit de 10 jusqu'à 15, j'ai une hauteur de 5. OK? J'ai une hauteur de 5. De 10 à 15. Voilà, de 10 jusqu'à 15, de 10 jusqu'à 15, voilà, l'intervalle, le segment est là. Je monte, je monte, je monte jusqu'à la valeur 5. Ici, c'est un 5. Je trace, en principe, il faut fermer ici le rectangle. Il faut ajouter une ligne et vous fermez ce rectangle qui est là. Je passe à la deuxième valeur. De 15 à 20, c'est une valeur de 7. Voilà mon deuxième rectangle. De 15 jusqu'à 20, je monte jusqu'à une hauteur de 7. Normalement, je dois avoir ici aussi un trait ici pour fermer ce rectangle. Troisième valeur. De 20 à 25. 20 à 25, je suis là. 20 à 25. Je dois tracer un rectangle d'une hauteur de 6. Hauteur de 6. Voilà la hauteur de 6. La hauteur de 6, ça doit être là. Voilà la hauteur de 6. Je trace mon rectangle.
De 15, de j'ai dit de combien? 6, de 20 à 25. Ici, c'est de 20 à 25. J'ai tracé mon rectangle avec une hauteur de 6. Je pars vers mon tableau. 25 à 30, 4. Vous suivez? Alors, voilà. Voilà le rectangle suivant. Voilà le rectangle suivant. Et voilà le rectangle suivant. Avec une hauteur proportionnelle au ni que j'ai ici à chaque fois. Le dernier, c'est 1. Voilà la hauteur de 1. Voilà, tout ce schéma, ça s'appelle l'histogramme. On est, n'oubliez pas, dans le premier cas, O, on a la même amplitude ici. On passe au deuxième cas, un autre exemple où les amplitudes ne sont pas égales. Les amplitudes, regardez-les. Alors, soit on fait cet exemple, classe d'amplitude inégale, effectivement, regardez ici. De 10 à 20, c'est une amplitude. Là, j'ai ajouté une colonne qui s'appelle amplitude. De 10 à 20, c'est une amplitude de combien? Une amplitude de 10. Vous faites la différence entre les deux valeurs. C'est une amplitude de 10. De 20 à 40, vous faites la différence entre les deux chiffres. Ça vous donne une amplitude de 20. Dans le premier cas, c'était 10. Maintenant, c'est 20. Troisième ligne. De 40 à 60. Ici, 40, 60. Vous avez une amplitude de combien? De 20. Vous voyez, on n'a pas la même amplitude. Des fois, c'est 10, des fois, c'est 20, des fois, c'est plus. Regardez, la dernière ligne, de 60 à 100. 60 à 100, c'est une amplitude de combien? De 40. On n'a pas la même amplitude. Des fois, c'est 10, des fois, c'est 20, des fois, c'est 40. C'est pourquoi nous avons noté dans le titre des classes d'amplitude inégale. Les classes que nous avons là, les intervalles de classe, elles ont une amplitude qui n'est pas égale. Que doit-on faire dans ce cas? On ne doit pas tracer le schéma. On doit d'abord ajouter une colonne qui s'appelle la densité DE. On doit calculer ce qu'on appelle la densité. Par définition, DE égale. Regardez la définition, je l'ai notée ici. Par définition, DI égale à combien? NI sur AI. DI, c'est NI, l'effectif NI qui divise l'amplitude AI. Donc, on doit calculer cette colonne qui est là, à travers cette définition. Eh bien, je divise chaque NI, voilà mon NI, par exemple 20, divisé par AI, l'amplitude qui est de combien? De 10. Je divise 20 par 10. Ça vous donne ça vous donne DI ici. Le DI égale à 2. Le même travail. 30 divisé par 20, ça vous donne ici un DI de 3 sur 2. J'ai simplifié les zéros, ça me donne 3 sur 2, c'est-à-dire 1,5. 3 sur 2, c'est-à-dire je divise, c'est 1,5. 20 divisé par 20, ça vous donne un DI, une densité de 1. N'oubliez pas, on est en train de calculer ce qu'on appelle la densité DI, ou bien on l'appelle aussi par effectif corrigé. Deux appellations. On a corrigé le NI, l'effectif corrigé, ou bien on l'appelle DI, c'est la densité. Je fais le même travail jusqu'à la dernière ligne. Je divise 10 par 40. Ça me donne 0,25. Ici, c'est 0,25. Une fois que j'ai effectué ce tableau de calcul, je peux tracer mon histogramme. Pour tracer l'histogramme, j'ai besoin de deux colonnes. La première colonne où on a les valeurs de x et on a besoin de la dernière colonne, c'est DE. Donc, au lieu de travailler avec les NE qui sont là, les NE qui est là, je travaille par DE. J'ai besoin des valeurs de DI. J'ai besoin de ces valeurs pour tracer mon histogramme. C'est ce qu'on va faire. Voilà le schéma. En principe, il faut avoir le tableau de calcul devant vos yeux. Mais ce n'est pas grave, je vais vous lire. Alors, on a dit de 10 jusqu'à 20. Alors, toutes les valeurs de x sont là.
Les valeurs de x, ce sont les intervalles de classe. On avait 10, 20, de 10 à 20. On a 20 à 40. On a 40 à 60. Et on a 60 à 100. Vous voyez, les valeurs de x, je les ai portées sur cet axe des x. Les valeurs de dx, je vais les porter sur cet axe, sur l'axe des y. Les valeurs de dx, on avait 0,25. On avait, regardez, c'est le tableau qu'on avait avant. On a 2, 3 sur 2. On a la valeur 1 et on a la valeur 0,25. Le tableau d'avant, je vais essayer. Cette session, elle est enregistrée en principe. Vous devriez la retrouver sur votre écran, même si quand on quitte la session. La session est enregistrée, vous pouvez la lire quand vous voulez chez vous. Donc, elle est enregistrée. Vous la retrouverez sur votre écran chaque fois que vous ouvrez votre cours de statistique et à n'importe quelle heure. Donc, elle est enregistrée. Je l'ai enregistrée cette fois-ci, même pour ceux qui ne sont pas là. Pour vous, si vous voulez la lire chez vous, la revoir chez vous et pour les autres qui sont absents. C'est une séance qui est enregistrée. Je reviens sur mon schéma. C'est un histogramme, c'est-à-dire un ensemble de rectangles. J'ai porté les valeurs de x ici. On a des intervalles de classe 10 à 20. Si vous regardez le tableau que nous avons étudié tout de suite, il y a un petit moment, on a l'intervalle de classe 20 à 40. On a l'intervalle de classe 40 à 60. Et on a l'intervalle 60 à 100. Ensuite, ici, j'ai porté les valeurs de dE qu'on avait sur le tableau, la densité. On avait la valeur 2, on avait la valeur 3 sur 2, c'est-à-dire 1,5, la valeur 1 et la valeur 0,25. Elles sont toutes les valeurs sont là. Alors, on me dit de 10 à 20, cet intervalle. J'ai une hauteur, une densité de 2. J'ai une densité de 2. Voilà, je marque la valeur 2, elle est là. Et je prends cette hauteur de 2. Voilà mon premier rectangle. Deuxième rectangle. De 20 à 40, de là jusqu'à là. Voilà le deuxième rectangle, de 20 à 40. J'ai une hauteur de combien? 1,5. 3 sur 2, c'est-à-dire 1,5. Hauteur de 1,5, la densité de 1,5. Troisième rectangle, de 40 à 60, j'ai une hauteur de combien? De 1. La valeur 1 maximum, elle est là. La densité est de 1. Le dernier rectangle, de 60 à 100, lorsque x varie de 60 à 100, on a une hauteur de combien? De 0,25. Ici, en principe, j'ai 0,25 sur cet axe. La hauteur de 0,25. Voilà donc mon histogramme. Donc, pour tracer l'histogramme, il faut toujours vérifier si vous avez, est-ce que des intervalles de classe égales ou bien, deuxième cas, intervalles de classe inégales. D'accord? Bien. Je passe vers la suite. Quand la variable x se présente sous forme d'intervalle de classe, c'est-à-dire c'est une variable continue, on peut tracer aussi ce qu'on appelle le polygone des fréquences. Deuxième schéma possible, le polygone des fréquences. Là aussi, on est devant deux cas. Classe d'amplitude égale ou bien classe d'amplitude inégale. D'accord? Polygone des fréquences. Comment tracer donc un polygone des fréquences? Premier cas, classe d'amplitude égale. Voilà un exemple. Je reprends le même exemple, je pense, sur la page suivante. Attendez, on trace directement. Non, je reviens sur la page que j'avais déjà. Voilà mon exemple. Est-ce qu'on vérifie dans le premier cas, classe d'amplitude égale? Est-ce que c'est le cas ici? De 10 à 15, on a une amplitude de 5. De 15 à 20, je fais la différence entre les deux chiffres, ça me donne une amplitude de 5.
Vous voyez, on est sur la même amplitude, 20 à 25. Une amplitude de combien? Vous faites la différence. On fait la différence. De 20 à 25, c'est une amplitude de 5. La même chose ici. 25 à 30, amplitude de 5. 30, 35, amplitude de 5. Donc, on a à chaque fois la même amplitude. C'est pourquoi j'ai noté classe d'amplitude égale dans le titre. On a la même amplitude. Lorsqu'on a la même amplitude, on peut tracer directement notre schéma qui s'appelle polygone des fréquences. Alors, comment? Allons vers le schéma. Voilà mon polygone des fréquences. C'est cette courbe qui est là, cette courbe. Alors, comment je l'ai tracée? Alors, d'abord, regardez. Je trace mes deux axes, l'axe des X. Je porte les valeurs de X. Regardez votre tableau d'avant. Vous avez de 10 à 15, 15 à 20, 20 à 25 et 25 à 30. Et les valeurs de Ni sont là, sur cet axe qui est là. En principe, d'après mon tableau, de 10 à 15, c'est 5. Je dois d'abord, pour pouvoir tracer cette courbe, je dois d'abord tracer l'histogramme, qui est un ensemble de rectangles. Comme nous avons vu, il y a un petit moment. Pour pouvoir tracer cette courbe, il faut d'abord tracer l'histogramme, qui est un ensemble de rectangles. Une fois que j'ai tracé cet histogramme, je prends le milieu de chaque segment. Je marque un point, je marque un point, je marque un point, le milieu de chaque segment, de chaque rectangle. Un point, un point. Et je dois joindre les points par une courbe, passant par tous les points que je viens de marquer. Le milieu de chaque segment. Voilà le milieu ici, voilà le milieu ici, voilà le milieu. Et je trace ma courbe. Cette courbe, ça s'appelle le polygone des fréquences. Donc, récapitulant, pour tracer un polygone des fréquences, on est obligé de tracer d'abord ce qu'on appelle l'histogramme. L'histogramme, ce sont ces ensembles de rectangles. J'espère que vous avez compris, hein? Pour tracer donc cette courbe, on est obligé de tracer d'abord l'histogramme. Voilà le premier cas lorsque les amplitudes de classe sont égales. On passe au deuxième cas. Les classes sont d'amplitude inégale. Voilà l'exemple. Classe d'amplitude inégale. J'ai cet exemple qui est là. On n'a pas la même amplitude si vous faites la différence entre les deux valeurs qui sont là. 20 moins 10, c'est une amplitude de 10. Et de 40 à 20, c'est une amplitude de 20. Donc, on constate qu'on n'a pas la même amplitude. Donc, obligé, quand on n'a pas la même amplitude, on est obligé de calculer la densité, comme je l'ai déjà expliqué, en divisant chaque AI par NI, en divisant chaque AI 10 divisé par 20. Ça vous donne ceci. C'est l'exemple de tout à l'heure. Alors, on trace l'histogramme. C'est un ensemble. Il n'est pas complet cet histogramme. En principe, il faut avoir des rectangles. 5. Combien de valeurs? 1, 2, 3, 4. Non, 4 rectangles. Voilà le premier rectangle. Voilà le deuxième. Troisième. Le quatrième doit être là, le rectangle. On prend le milieu de ces et on trace la courbe. Vous voyez, à chaque fois qu'on veut tracer un polygone des fréquences, on est obligé de tracer d'abord. Quoi? De tracer d'abord un histogramme. D'abord l'histogramme, ensuite la courbe. Cette courbe, ça s'appelle le polygone des fréquences. J'espère que vous avez compris. Hein? Bien. Donc, jusqu'à présent, lorsque la variable x est continue, on a la possibilité de tracer soit l'histogramme, premier schéma, soit le polygone des fréquences, cette courbe qui est là, c'est le deuxième schéma. Alors, troisième schéma possible, c'est ce qu'on appelle courbe des fréquences cumulées. Troisième schéma,
courbe des fréquences cumulées. Alors, on passe vers la suite. Alors, voilà un exemple. Je pense qu'on va travailler sur celui-là. Alors, on a le choix entre celui-là ou bien celui-là. Les deux sont valables. Hein? On prend le plus simple si on veut. Alors, je pense qu'on va travailler avec ça. Il est plus simple. Là, ce sont les fréquences absolues. Là, ce sont les fréquences relatives. On a le choix de raisonner en termes de fréquences absolues, c'est-à-dire des chiffres entiers, soit fréquences relatives et on la calcule. Travaillons avec ça. Voilà un exemple et on doit tracer ce qu'on appelle la courbe des fréquences cumulées. Voilà mon exemple. Les valeurs de X, là, les valeurs de NI. Généralement, dans le jour de l'examen, on vous donne juste ces deux premières colonnes. Celles-là, les valeurs de X et les valeurs de NI. C'est tout. C'est à vous de faire ces calculs pour tracer les courbes. Alors, comment on a fait les calculs? Là, c'est la fréquence relative, c'est-à-dire on a divisé chaque NI par le total qui est là. OK? Alors, le total, il est de 90. Ici, c'est un total de 90. Je divise 12 par 90, ça me donne la fréquence relative qui est là. Je divise la valeur suivante, 31 par 90, ça me donne la fréquence relative de 0,34. J'ai déjà expliqué comment calculer la fréquence relative, n'est-ce pas? Il suffit de diviser chaque NI par le total. Ça vous donne cette colonne qui est là. C'est la fréquence relative. Maintenant, à partir de cette colonne, je peux calculer les deux colonnes suivantes. Là, c'est une fréquence cumulée croissante et là, c'est une fréquence cumulée décroissante. Alors, croissante, j'ajoute. J'ajoute des valeurs. Décroissante, je retranche des valeurs. C'est ça la différence entre les deux. Alors, ici, je fixe la première valeur qui est de 0,13 et j'ajoute. Je fixe cette première valeur, j'ajoute la valeur suivante. 0,34. 0,13 plus 0,34, ça me donne 0,47. Ça me donne 0,47. 0,47 plus la valeur suivante, qui est de 0,32. Ça me donne 0,79. Vous ajoutez 0,79 à la valeur suivante, 0,12. Ça vous donne ça. Donc, vous ajoutez à chaque fois, là, une valeur. Chaque fois, une valeur jusqu'à obtenir cette colonne qui est là. Tout ça, je l'ai déjà expliqué. Alors maintenant, décroissante. Qu'est-ce que je fais? Je prends le total qui est là, le 1, je le fixe. Pour les fréquences relatives, regardez. Ici, la plus petite valeur, je l'ai fixée ici. Et la plus grande valeur, je l'ai fixée ici. Le 1, la plus grande valeur 1, je l'ai fixée et je retranche. Parce qu'on veut les fréquences décroissantes. Décroissantes, ça veut dire qu'elles vont descendre. Ça va diminuer. Je retranche 1 moins cette valeur qui est là. Ça me donne ça. 0,87. 0,87 moins la valeur suivante qui est là. 0,34. Ça me donne 0,53. Donc vous retranchez à chaque fois les valeurs de ça. La valeur suivante. Je retranche ça me donne ceci. Je retranche la valeur 0,12, ça me donne ça. Je retranche la valeur suivante, 0,004, ça vous donne ceci. Donc vous retranchez jusqu'à obtenir la dernière valeur. Alors finalement, une fois que j'ai complété tout ce tableau, je peux tracer mes courbes. Il y a deux courbes. Une courbe avec ces valeurs qui sont croissantes, une courbe avec les valeurs qui sont décroissantes. Ça me donne, alors pour tracer la première courbe,
J'ai besoin des valeurs de x et de cette colonne. Pour tracer la deuxième courbe, j'ai besoin des valeurs de x et de les valeurs de la dernière colonne. Regardons le schéma. Passons vers le schéma. Voilà. Là, j'ai tracé la courbe des fréquences cumulées croissantes. Vous voyez, la courbe, elle monte. La courbe des fréquences cumulées croissantes, ça monte. La deuxième courbe, que je vais vous montrer comment, c'est une courbe des fréquences cumulées décroissantes. Ça descend. On l'appelle courbe des fréquences cumulées décroissantes. Ça descend. Alors, comment tracer les courbes? Alors, d'abord, celle qui est en rouge, comment? Je prends les valeurs de x que je porte sur cet axe qui est là. On avait des intervalles de classe. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, jusqu'à la valeur 80. Toutes les valeurs de x, je les portais sur cet axe des x qui est là. OK? Les fréquences cumulées croissantes. Je reviens sur le tableau. Je reviens sur le tableau. Voilà les valeurs des fréquences cumulées croissantes. Toutes les valeurs qui sont là, je vais les porter sur l'axe des Y. Le 0, 12. Combien là? 0, 12. 0, 12. Et le reste, toutes les valeurs qui sont là, je vais les porter sur l'axe des Y. Voilà. Je vais les porter ici. 0, 12. Et le reste, c'est sur cet axe qui est là. Bien. Maintenant, je dois marquer les points de cette courbe qui est croissante. Et bien, comment? Cette courbe qui est croissante en bleu, elle monte. Vous voyez? On me dit, dans le tableau statistique, de 10 à 20, de 10 à 20, jusqu'à 20, OK? Les fréquences cumulées croissantes est de 0,12 ou bien 0,13. Alors, je monte jusqu'à 0,13. Le point, il est là. Il est là. Je marque ce point-là. Voilà. Je marque un point. Je dois avoir plusieurs points pour pouvoir tracer la courbe. La deuxième présentation, de 20 à 30. Alors, ici, on avait de 10 à 20, 20 à 30. Normalement, de 20 à 30, je dois avoir une hauteur, une fréquence cumulée de 0,47. Ça me donne un point ici, de 10 à 20, 0,47. Ici, 0,47, je marque le point. La valeur suivante, de 30 à 40. 30 à 40, ça doit être ici. Je monte la fréquence cumulée de 0,79. Je monte, je monte, je monte, je marque 0,79. Et vous faites la même chose. Pour chaque intervalle de classe, il y a un point qui représente les fréquences cumulées croissantes. Je joins finalement tous les points que j'ai représentés et ça me donne cette courbe qui monte. Passons maintenant à cette courbe qui est décroissante, qui descend. Je pars vers le tableau statistique. J'ai besoin des valeurs de x qui sont là, que je porte sur l'axe des x. Et j'ai besoin de cette dernière colonne. Hein, OK? Ce sont les fréquences cumulées décroissantes. Donc, je prends les valeurs de x sur l'axe des x et les valeurs qui sont là sur l'axe des y. Et je dois tracer et je dois représenter les points. Par exemple, de 10 à 20, c'est la valeur 1. Je marque le premier point. De 20 jusqu'à 30, le deuxième point, 0,87. Ensuite, la valeur suivante, 30 à 40, c'est la valeur suivante, 0,53. Et je marque tous les points. Une fois que j'aurai représenté tous ces points, je trace ma courbe. Alors, allons vers le schéma. Ça me donne une courbe décroissante, celle-là, en rouge.
Vous voyez, elle descend, décroissante. Les valeurs de X sont là. Les valeurs des fréquences cumulées décroissantes sont là. Et je dois représenter les points. Alors, comment regarder? Par exemple, de 10 à 20, j'ai 1. De 10 à 20, j'ai la valeur 1. Voilà, 1, c'est le maximum, il est là. Je marque ce premier point, il est là. Le deuxième point, de 20 à 30, je suis là. De 20 jusqu'à 30, j'ai le point qui est 0,87. 0,87, c'est là. Je marque le deuxième point. Voilà, je fais à chaque fois les points qu'il faut par rapport à mon tableau statistique et je trace, je dois joindre tous les points par la courbe décroissante, la courbe des fréquences cumulées décroissantes. Donc voilà ce qu'on appelle la courbe des fréquences cumulées ou bien les courbes des fréquences cumulées. Une est croissante, l'autre est décroissante. Alors, récapitulons s'il vous plaît. Lorsque la variable est continue, on a combien de possibilités? Vous avez le choix entre tracer l'histogramme ou bien, deuxième schéma, le polygone des fréquences ou bien, troisième schéma, celle-là, courbe des fréquences cumulées. Donc, trois schémas sont possibles. C'est à vous de choisir les schémas que vous voulez. Si on vous dit rien le jour de l'examen, si on vous impose pas le schéma, vous choisissez celui qui vous convient, qui vous paraît facile. Bien, j'espère que vous avez compris les schémas. Alors, jusqu'à présent, quand la variable est discrète, on a vu deux types de schémas. Et maintenant, quand la variable est continue, on a vu trois types de schémas possibles. Alors, on passe maintenant vers la suite du cours. Les graphiques spécifiques, ou bien les schémas qui sont spécifiques. On dit spécifique ou bien spécial, ça veut dire un peu original. On n'aura pas l'occasion beaucoup de fois de les rencontrer dans les exercices. Mais il faut que vous sachiez qu'il existe, qu'il est possible de les tracer. Alors d'abord, premièrement, graphique à échelle logarithmique. Ce schéma, on ne va pas le traiter. Ce n'est pas la peine. Vous le lisez chez vous s'il le faut, tout simplement, parce que le jour de l'examen, on ne va pas vous le donner. Alors, on dit à échelle logarithmique parce que les valeurs de x et les valeurs de y doivent être transformées en termes de log. Donc, je ne ferai pas avec vous ceci. On laisse tomber. J'insiste sur les choses essentielles. Et le reste, je vous dis, vous le lisez chez vous à titre d'information. Et donc, je passe. On ne va pas traiter le schéma à échelle logarithmique. Ensuite, ça c'est la représentation. Il y a le diagramme polaire, un autre type de schéma qui s'appelle diagramme polaire. Aussi, on ne va pas le faire. Polaire. Il est comme ça, il se présente. Pardon, je reviens sur la page. Diagramme polaire, il est comme ça. On vous donne les mois, janvier jusqu'à décembre, par exemple, et on vous donne des valeurs, des chiffres d'affaires réalisés à chaque mois, chiffre d'affaires du mois de janvier, chiffre d'affaires du mois de février, chiffre d'affaires du mois d'avril, etc., etc. Et le diagramme polaire se présente ainsi. Donc, ce n'est pas la peine. On ne va pas le traiter. On ne va pas vous le donner le jour de l'examen. Donc, ce n'est pas la peine. Vous le lisez chez vous, tout simplement. On passe vers la suite. J'insiste uniquement sur les choses essentielles. Ça, par exemple, je trouve que c'est intéressant. Le diagramme circulaire. Diagramme circulaire, si vous regardez le schéma, il se présente sous la forme d'un cercle. Vous voyez, regardez le cercle. On l'appelle diagramme circulaire. Vous tracez un cercle. OK? OK. Alors, diagramme circulaire, c'est là. Alors, comment le tracer? Vous avez un tableau chiffré. Regardez. Un tableau chiffré, c'est un exemple. On vous dit, là, on vous donne les différents diplômes.
ceux qui ont obtenu, qui sont en première année de la licence, ceux qui ont obtenu le DEUG, ceux qui sont en deuxième année, ceux qui sont dans la licence, le nombre, là, l'effectif, le nombre. Ceux qui sont en première année, le nombre, c'est comme si on est dans une faculté, on est en train de prendre des statistiques, de relever des statistiques. Et ensuite, on veut tracer un diagramme circulaire. Regardez. Ceux qui sont en première année de première année, par exemple, la licence, leur nombre, il est de 600, 650. Ceux qui sont, qui sont dans le DEUG, c'est avant la deuxième année, ou bien pendant la deuxième année de la licence, ils sont en nombre de 296. L'effectif, il est de 296. Ceux qui sont qui ont eu la deuxième année, en nombre 217. L'effectif, 217. Ceux qui ont obtenu la licence, leur nombre, il est de 148. 148, c'est là. Le nombre, l'effectif, c'est 148. Etc., etc. Et on vous dit, à partir de ces deux colonnes, tracez le diagramme circulaire qui est là. Alors, comment? Il va falloir faire des petits calculs pour pouvoir tracer ce schéma. Tout simplement, on cherche, moi je vous donne la méthode la plus simple. On cherche la fréquence ici, la fréquence relative. Je répète, la fréquence relative, on la calcule en divisant chaque i par le total. Le ni, par exemple, de 650, on le divise par le total qui est là. Il est de 1363. Le total de 1363. On divise chaque ni par le total, ça me donne cette colonne qui est là. C'est la fréquence relative. À partir de cette colonne, je peux tracer mon cercle. Je trace le cercle, vous voyez, et j'accorde pour chaque niveau de diplôme le pourcentage qui va avec. 0,15, c'est-à-dire 15%. Je trace avec un compas un cercle et je prends. Alors, on a dit, pardon, première année 2, c'est 0,48. Ici, c'est 0,48. C'est presque 0,5, c'est-à-dire 50% du cercle. Voilà, c'est là. 50% du cercle, c'est la partie qui est en bleu. Vous voyez? C'est presque la moitié, 0,48, c'est-à-dire presque la moitié du cercle, 50%. 0,48, c'est-à-dire 48%. Si on arrondit, 48, c'est presque 50. La moitié du cercle, voilà. Première année de la licence, c'est là, c'est 48%. Le DEUG, c'est combien? 0,22, c'est-à-dire 22%. 22%, c'est cette partie qui est là. 22% du cercle, c'est là. C'est-à-dire cette moitié du cercle qui reste, je prends 22%. C'est là. La partie suivante, deuxième année. Deuxième année, ça représente 0,16, c'est-à-dire 16%. 16%, on est là. Cette partie qui est en jaune. 16%. Je fais le même travail pour le reste. Qu'est-ce qui me reste? 0,11%, c'est-à-dire 11%. 11%, c'est sa partie en bleu qui est là, du cercle. Et le dernier chiffre, 0,03, c'est-à-dire 3%. C'est cette petite partie qui est là. Alors finalement, vous regardez, j'ai réussi à tracer mon cercle qui est là et le répartir en fonction des parts. Chaque niveau de diplôme, il a une petite part. Première année, ça représente la plus grande part avec 48%. C'est le schéma qui est, c'est la partie en bleu, etc., etc. J'ai représenté les parts qui sont là et j'ai pris la proportion qu'il faut du schéma en fonction du pourcentage. Ce diagramme, ça s'appelle le diagramme circulaire. Ça s'appelle le diagramme circulaire. C'est compris? J'espère que vous avez compris. Hein? On continue.
d'autres types de schémas possibles. Celui-là, il est aussi important. Je l'ai tracé horizontalement, vous pouvez le tracer aussi verticalement. Le schéma, vous pouvez le lire verticalement, c'est mieux. On appelle ça diagramme en barre. Diagramme en barre. Attendez, là. Attendez, attendez. Diagramme en barre. Non, ça s'appelle le diagramme en barre. Normalement, c'est celui-là. Ce schéma, pardon, regardez s'il vous plaît. Ce schéma, il est valable ici. Ce schéma qui est là, il est valable ici. Bon, ce n'est pas la peine qu'on le fasse. Ce n'est pas obligatoire. Vous n'aurez pas aussi ce genre de schéma le jour d'examen. Juste vous lisez ceci chez vous, tout simplement. Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire. On a terminé ce schéma sur les graphiques. Les graphiques les plus importants, ce sont les graphiques que l'on rencontre lorsque la variable elle est soit discrète, ou bien les schémas quand la variable est continue. Les graphiques spécifiques, vous n'aurez pas l'occasion de les rencontrer le jour de l'examen. Rarement, rarement, rarement. Donc, il faut insister sur les schémas quand la variable est discrète et les schémas quand la variable est continue. D'accord? On passe vers la suite du cours. Alors là, c'est la deuxième partie. On a terminé avec la première partie du programme. Je récapitule la première partie. Dans la première partie, on a vu deux chapitres. Chapitre 1 sur les tableaux statistiques, ils sont chiffrés. Chapitre 2 sur les schémas, sur les diagrammes. Comment tracer des diagrammes, des schémas. Ça, c'était la première partie du programme. OK? Maintenant, on va voir ceci, cette deuxième partie, le traitement des séries statistiques à un seul caractère. Alors, dans le chapitre 1, on va étudier, regardez, les indicateurs de tendance centrale ou de position. C'est-à-dire, les indicateurs de tendance centrale veut dire, on va voir les différentes moyennes. On va étudier le mode. Là, c'est le résumé, si vous voulez. Le résumé de ce chapitre. On va étudier quatre points. Les moyennes, le mode, la médiane et les quantiles. Quatre choses, on va étudier. On va aller vers les moyennes. Alors, les moyennes. Là, c'est la définition, mais il vaut mieux aller vers la suite. Voilà les moyennes. On commence par les moyennes. Là, c'est la formule générale. On appelle la moyenne d'ordre R. C'est généralement, voilà la formule, voilà. Là, la formule en termes de NE. Et là, c'est la formule en termes de fréquence. Franchement, là, c'est la formule générale. On vous dit, lorsque vous avez le R ici, attendez, vous avez le R ici, regardez, le R ici, X puissance R, et vous avez le taux puissance 1 sur R. On vous dit, selon les valeurs qui sont prises par R, on peut tomber sur différentes moyennes. Si le R prend la valeur moins 1, c'est-à-dire je remplace R par moins 1, j'ai la moyenne harmonique. Lorsque R tend vers la valeur 0, c'est la moyenne géométrique. Lorsque R prend la valeur 1, c'est arithmétique. Arithmétique, alors les initiales. Harmonique, je la note par H. Géométrique, je la note par G. Je prends la moyenne arithmétique, je la note par X bar. Moyenne quadratique, je la note par Q. Généralement, je prends l'initiale H, la première lettre. C'est H qui est là. Géométrique, c'est G. Je la note par G. Arithmétique, c'est la sœur que je la note par X.
Magnarithmique, c'est x bar. Généralement, c'est x bar. Quadratique, je la note par queue. Ne vous en faites pas. C'est juste des généralités. On va aller vers le détail et vers les explications. Je dois aller vers la page suivante. Voilà, je dois aller vers la page suivante. Là, je vais expliquer davantage les moyennes ici. Ça va être plus facile. Voilà. Je commence par la moyenne arithmétique. La moyenne arithmétique, sa formule, elle est là. Moi, je vous conseille qu'il va falloir retenir ces formules. Les formules, on les apprend. X bar, c'est la moyenne arithmétique. Par définition, c'est sigma nxi sur sigma ni. Lorsque le raisonnement se fait en termes de ni, l'effectif. Ou bien, une autre formule en termes de fréquence, c'est sigma fi qui multiplie xi sur sigma fi. Ce sont des formules à retenir. Ce sont des formules à retenir. Là, c'est la moyenne arithmétique en termes de ni, l'effectif. Là, c'est en termes de fi, la fréquence. Moi, je vous conseille de retenir ces formules qui sont là. Alors, on fait un exemple, parce qu'on ne peut comprendre que si on fait un exemple. On va appliquer les formules que vous avez là. Par exemple, celle-là, en termes d'effectifs. Voilà mon exemple. On vous dit, on considère la formule, le tableau suivant et on vous dit, calculez la moyenne arithmétique. C'est ça la question. Il faut savoir calculer la moyenne arithmétique. Alors, comment? Alors, je vous signale que le cours va se terminer peut-être très prochainement, vers 10 heures peut-être, d'après la programmation. Alors, la moyenne arithmétique, voilà la formule, x bar. X bar égale, je pose ma formule, puisqu'on me demande de calculer la moyenne arithmétique. J'ai posé la formule, la voilà. Alors, ici, j'ai calculé. Alors, en principe, ici, je dois ajouter des colonnes de calcul. On me dit, calculer, il faut calculer le ni qui multiplie le xi. Il faut ajouter une colonne ici où je calcule ni qui multiplie le xi, en principe. Alors, le ni fois xi, je dois en principe ajouter. Moi, à votre place, s'il vous plaît, vous prenez un stylo et en principe, vous prenez le numéro de la page qui est là. On est à la page, je pense, 26, hein, page 26. Et vous dites, je dois ajouter une colonne ici dans ce tableau, où je multiplie, d'après ma formule, chaque ni par son xi. Voilà, 1 fois 22, ça me donne ici 22. Ajoutez avec un stylo, s'il vous plaît, que vous avez à la main. Vous prenez une feuille de brouillon et vous notez comme quoi à la page 26, pour calculer la moyenne arithmétique, quand la variable est discrète, ici, j'ajoute une colonne. J'applique ma formule. Je multiplie chaque ni par xi dans cette formule qui est là. 1 fois 22 égale 22. 2 fois 31, ça vous donne combien ici? Ça vous donne 62. 3 fois 20, ça vous donne 60. 4 fois 1, c'est ce qui est noté ici. C'est ce qui est noté ici. Vous voyez? J'ai appliqué la formule. 1 fois 22 plus, parce qu'on me dit sigma. Sigma, ça veut dire il faut ajouter. Le sigma, c'est la somme. Il faut ajouter. C'est 1 fois 22. Je suis en train d'appliquer cette formule. Le ni fois xi. 1 fois 22 plus, regardez ici, 2 fois 31, la voilà, plus, parce qu'on me dit la somme, plus, 3 fois 20, la voilà. Plus 4 fois 11, la voici. 5 fois 4, plus,
Parce que dans ma formule, on me dit sigma. Sigma, c'est-à-dire plus. J'ajoute. Plus 6 fois 1. Voilà. Bien. En bas, je dois diviser par, dans ma formule, sigma ni. Dans ma formule, je dois diviser par sigma ni. Voilà le sigma de ni, c'est la somme de toute la colonne qui est là. La somme de toute la colonne, si vous mettez 22 plus 31 plus 20 plus 11 plus 4 plus 1, ça vous donne 89. Le sigma ni, c'est la somme de tous les ni qui sont là, de tous les effectifs. Ça vous donne un total de 89 que j'ai noté ici. Alors, en faisant, il faut votre calculatrice entre vos mains, en faisant la somme et en divisant par 89, ça vous donne, donc la moyenne est de 2,4. Supposons le X était les salaires. Supposons X, c'était les salaires dans une entreprise. On dira que la moyenne des salaires, elle est de 2,4. La moyenne de salaire est de 2,4. J'espère que vous avez compris comment on calcule la moyenne. S'il vous plaît, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Je peux lire vos questions. Donc ça, c'était la moyenne arithmétique que nous avons calculée à travers cette formule qui est là, qu'il va falloir encadrer et retenir, hein? Je l'ai écrit en gras, ça veut dire qu'il va falloir la retenir et qu'on a appliqué sur cet exemple que nous avons là. Là, la variable était discrète. C'est le cas de x, elle prend des valeurs absolues. Variable est discrète. On va aller vers un deuxième exemple où la variable est continue. On va chercher la moyenne arithmétique. Voilà. Exemple 2. Ah non, je reviens sur l'autre page. On a trop avancé. Voilà. Voilà, la variable est discrète. C'est-à-dire x prend, elle est sur des intervalles de classe. On a des intervalles de classe. X varie entre 20 et 25. X varie entre 25 et 30. On dit que la variable est continue. Et on vous dit, calculez la moyenne arithmétique. Alors, quand la variable est comptée, on vous donne généralement juste ces deux premières colonnes. Et on vous dit, calculez la moyenne. Vous comprenez? On vous dit, calculez la moyenne arithmétique. Que devient ma formule? Regardez. Au lieu de mettre XI, je mets CI. CI, c'est le centre de classe. Quand la variable est continue, je travaille avec cette formule qui est là, où le XI est remplacé par CI. CI, c'est le centre de classe qu'on doit calculer. S'il vous plaît, vous encadrez, il va falloir retenir cette formule qui est là. Le XI est remplacé par CI. CI, il est là, ça s'appelle le centre de classe. On doit le calculer. Alors comment? Tout simplement, en mettant, regardez, 20 plus 25 divisé par 2. C'est comme une moyenne. 20 plus 25 divisé par 2, ça vous donne 22,5. Moi, à votre place, je prends un stylo et je marque les détails de calcul. Vous mettez sur votre feuille, par exemple, de brouillon. On est à la page 27 parce que ce cours, il est enregistré. Vous pouvez revenir sur ce cours quand vous voulez chez vous. Vous pouvez revenir sur ce cours quand vous voulez chez vous. Alors, vous prenez votre stylo, vous notez comme quoi, comment on a obtenu ce chiffre 22,5? Eh bien, j'ai mis 20 plus 25 divisé par 2. Ça m'a donné 22,5, le centre de classe. La même chose, 25 plus 30 divisé par 2, ça me donne ce chiffre qui est là. Et vous faites le même travail pour toute la colonne. Vous aurez le centre de classe. Dans ma formule, on me dit, il faut multiplier chaque effectif ni par le centre de classe. Je forme une colonne qui est là, où je dois multiplier chaque ni par CI. Je dois multiplier.
Voilà le NE et voilà le CE. Je multiplie les deux valeurs, ça me donne ça. 29 qui multiplie 22,5, ça me donne 652,5. Je fais la multiplication. Je fais le même travail pour chaque ligne. Alors, 48 qui multiplie 27,5, ça me donne 132. Vous voyez, vous faites la multiplication. Le même travail, 36 qui multiplie le centre de classe qui est de 32,5, ça me donne ça. Je fais le même travail jusqu'à compléter toute la colonne qui est là. Bien. Alors maintenant, je reviens sur la formule. On me dit, le sigma, le x bar qui est la moyenne arithmétique, c'est l'inconnu. C'est sigma ni fois ci. Le sigma, c'est-à-dire la somme de toute cette colonne qui est ni ci. La somme, je lis en bas, ça me donne 11 11 985. Ce chiffre qui est là, je remplace ceci par sa valeur. La valeur. Somme. Somme, ça veut dire la somme de tous les ni fois ci. Je lis en bas, c'est ce chiffre. Je le reprends ici. Donc, j'ai remplacé le sigma de 100 par ce chiffre, par sa valeur. Sur ce que je dois diviser par sigma ni dans ma formule. Le sigma ni, c'est le total de cette colonne qui est là. Sigma veut dire total de la colonne. Voilà les ni. Le sigma, je lis, ça me donne 304. Donc, je divise par 304. Ça me donne une moyenne, une valeur de 39,42. La variable x qui était là, ça représente l'âge des hommes. Eh bien, x bar égale 39,42 ans, ça veut dire que la moyenne d'âge des hommes est de 39,4. La moyenne d'âge des hommes qui existe par exemple dans la société, hein, dans une société, dans une entreprise, la moyenne d'âge est de 39,4. Disons 39 et demi. 39 ans et demi. 39 ans et demi. Parce que des fois, on vous dit, calculez x bar, la moyenne arithmétique, et interprétez le résultat. Il faut savoir interpréter le chiffre. Ici, pour interpréter ce chiffre, je dirais que la moyenne d'âge des hommes est de 39 ans et demi. Elle est de 39,5. J'arrondis 39 et demi. Donc, la moyenne d'âge est de 39 ans et demi. Compris? Donc, on a étudié la moyenne arithmétique. Il nous reste à étudier maintenant. On a terminé avec ça. Je récapitule. Le calcul de la moyenne, on a vu qu'il y avait deux cas. Soit x est une variable discrète. Je reviens en arrière. Là, la variable est discrète. Pardon, je suis en train de... Voilà. Quand la variable est discrète, on applique directement cette formule qui est là. Il n'y a pas de problème. Vous voyez? On l'a appliqué, on a ajouté une colonne ici et on a appliqué le travail. Voilà. Il n'y a pas de problème. On applique la formule qu'on nous donne. Mais quand la variable est continue, il faut calculer le centre de classe. Regardez, x est continu. On était obligé d'ajouter cette colonne qui s'appelle centre de classe en faisant 20 plus 25 divisé par 2. Ça m'a donné ça. Et j'ai refait le même travail sur toutes les valeurs. J'étais obligé de calculer le centre de classe. OK? Et j'ai appliqué cette formule qui est là. Au lieu de travailler avec xi, j'ai travaillé avec ci. Et ça m'a donné, j'ai appliqué cette formule qui est là et ça m'a donné la moyenne. Bien, maintenant les autres moyennes. La moyenne harmonique, moi je vous demande juste de retenir la formule finale. Et n'est pas, c'est normalement, c'est grand N qui divise sigma. C'est la formule un peu dispersée ici. Mais normalement, c'est grand N qui divise sigma ni sur xi. Cette valeur qui est là doit être ici. C'est N qui divise sigma
sigma à côté et ni sur xe. C'est la moyenne harmonique. H, moyenne harmonique. Retenez juste le résultat final. Voilà la formule. C'est n qui divise sigma. Ça doit être en principe ici. Ni sur xe. Ni sur xe. Je continue. Moyenne géométrique, voilà sa formule. On va faire, alors moi, pour la moyenne géométrique, ça ce sont des détails. Je vous dis de retenir ça. Voilà la formule. C'est log G égale sigma ni sur, s'il vous plaît, la formule est un peu dispersée ici, normalement. S'il vous plaît, prenez un stylo et vous notez comme quoi pour la moyenne géométrique. Je suis en train de voir sur mon livre, sur mon manuel. Voilà, normalement, c'est sigma ni qui divise sigma ni log xi. Ça doit être ici, s'il vous plaît. Sous la projection, ça a été mal fait, mais parce que le fichier a été transformé en PDF et les choses ont un petit peu été modifiées. Normalement, log G égale. S'il vous plaît, prenez un stylo et vous marquez log G. G, c'est la moyenne géométrique. Égale. C'est sigma ni qui divise sigma ni qui multiplie log xi. Sigma ni qui multiplie log xi. De toute façon, on va prendre un exemple et ça sera encore plus clair par la suite. Ça, c'est juste les formules. La page suivante, on va voir d'autres moyennes. Là, c'est un exemple d'application en fait. À travers cet exemple, regardez, un exemple, calculer les moyennes, on vous dit, c'est un exercice. Calculer la moyenne géométrique G. Calculer la moyenne